téléphone pour le bain version grand luxe. Oh. Ou un ballon de foot numérique. Ou tu fais créer un parfum pour eux. Oh, ou un panier pour chien hyper stylé avec deux niveaux. Oh, c'est gentil de votre part de vous creuser autant la tête. Mais il n'y a pas plus difficile au monde que de trouver ce qui pourrait faire plaisir à mes parents. Ils ont déjà tout ce dont on peut rêver, vous pouvez pas imaginer. Et leur 20e anniversaire de mariage, c'est demain. Non, il n'y a pas de solution. Moi, oh, t'inquiète pas, Sam, à nous trois, on va trouver. Oh, ça leur plairait pas, un robot manucure-pédicure? Problème résolu. D'abord, c'est pratique d'avoir ça chez soi, et en plus, c'est un cadeau vraiment original. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est exactement ce que je leur ai offert l'année dernière. Ouah, et ben, bonjour la discrétion. Regardez, une limousine extra longue. Peut-être que c'est une célébrité qui a besoin de renouveler sa garde-robe de toute urgence. Oh, ça m'étonnerait. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Sam a raison. Ça n'a rien à voir avec le shopping. Ça annonce plutôt un whooping. Ah, Jerry, est-ce que vous êtes là? Bonjour les Spice, je suis enchantée de vous revoir. J'aimerais pouvoir dire moi aussi, mais vous nous interrompez dans la recherche du cadeau rêvé pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Vous m'envoyez désolé, cependant je vous assure que ce qui m'amène ici est d'une importance capitale. Plusieurs mariages prestigieux ont été célébrés récemment à travers le monde. Ils ont fait l'objet d'attaques par des forces inconnues. Qu'est-ce que vous entendez par attaque, Jerry? Bah, voyez par vous-même. Voici les images d'une cérémonie nuptiale qui a eu lieu hier en Italie. Oh, j'y crois pas. Waouh, c'est la vidéo du mariage de Kim Starsmachian. Kim Starsmachian? Mais qui c'est? Oh, vous la connaissez pas? C'est la célébrité la plus en vue de la planète. Et elle est trop jolie. Cela dit, c'est pas surprenant, elle se nettoie le visage avec de la poudre de diamant. À propos de diamant, vous avez vu la bague qu'elle a au doigt? Cette pierre vient de la lune. Si vous voulez tout savoir, c'est là-bas qu'elle a rencontré l'astronaute qu'elle a épousé. Oh, quel beau couple ils font tous les deux. La splendide cérémonie a dégénéré. C'est horrible. D'après ce qu'on voit là, ce mariage de rêve a tourné au cauchemar. C'est exact. Et le Whoop ignore les causes de cette perturbation. On n'a aucune piste. J'avoue que c'est un mystère absolu. Ce qui me semble bien plus mystérieux, c'est la raison pour laquelle Kim porte une robe de mariée aussi étrange. Enfin, la mode, c'est mon truc, ça me connaît. Et je peux vous assurer que ça, là, c'est du jamais vu. Ça ne correspond à aucun style. Observation très intéressante, merci Clover. Merci. Le registre d'expédition mentionne la provenance de cette robe, Paris. Mais le nom de l'expéditeur n'est pas précisé. Qu'en est-il à propos des robes portées par les autres mariés, Jerry? Elles proviennent toutes de la même maison de couture. Eh bien voilà un premier indice, les Spice. Vous partez en France pour enquêter sur cette affaire. J'adore la France! Alors allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Whoopez-nous tout de suite! Je crois que vous oubliez un détail, et un détail non négligeable. Vos galgettes! Ah. Vous disposerez des bottes à talons perforants, des lentilles de contact à rayons X infrarouges, de la pince à épiler cisaille. Et de notre nouveauté, la machine à bulles Esquive Express. Merci, Jerry. Oh, mais de rien, Alex. Vous trouverez aussi sur place un Whoopa 3 qui vous permettra de vous rendre à destination. Un Whoopa quoi? À 3. Au revoir, mesdemoiselles, et bonne chance. Organiser un truc romantique pour l'anniversaire de tes parents? Comme faire apparaître leur visage sur la tour Eiffel le soir pendant les illuminations? Ou faire peindre leur portrait façon 17e siècle et le faire accrocher au Louvre? Merci les copines, mais j'ai déjà fait ça il y a 2 ans. Ça descend! Oh, désolée Sam, mais le lèche-vitrine devra attendre. On est tout près de la maison de couture. Bon, on s'occupe de cette mission, on abandonne ce Whoopa 3 parce qu'il me donne le mal de transport. Voilà, on y est. C'est bien de là qu'ont été expédiées toutes les robes de mariée. On se donne tous mal et il n'y a même pas un portier pour nous accueillir. Mais nous, on est les Spice. Que la porte nous soit grande ouverte ou pas, on entre. Oui, à défaut de personnel accueillant, on a les bottes à talons perforants. Bon travail, Alex. C'est pas pour critiquer, mais on est loin de l'ambiance raffinée des boutiques parisiennes. T'as raison, ici c'est plutôt ambiance poussière et détritus. Pourtant, c'est là. Il y a sûrement quelque chose à trouver. Les lentilles de contact à rayons X infrarouges vont nous aider à y voir plus clair. Oh, waouh! Ah, je vois. Qu'est-ce qu'il y a, Clover? Une pièce secrète, derrière ce mur. Il y aurait un bouton secret pour y accéder? Va savoir quand on sait pas.
Il y en a toujours un dans ce genre de repère. Les méchants sont si prévisibles. Oh, oups, bah ça c'était plutôt inattendu. Il y a des fois où je m'étonne. Waouh! Ah, bizarre de tomber sur un super atelier de création dissimulé dans un vieux hangar. Et bizarre aussi ce genre de modèle. Depuis quand les robes de mariée sont-elles high-tech? Voilà pourquoi celle de Kimstar Smashian m'a paru si étrange sur la vidéo. Les Spices, regardez ça. C'est la liste de toutes les robes de mariée avec le nom de celles qui les ont commandées. Oh, alors ça c'est super, bravo. Pourquoi est-ce que c'est super juste? Parce que si on sait où la prochaine robe va être expédiée, on peut attendre le malfaiteur au tournant, boucler la mission et s'occuper du cadeau de mes parents. Oh non! Il est écrit là que la dernière robe a déjà été envoyée au palais royal d'Angleterre. Pour le mariage princier? Il faut immédiatement en informer Jerry. Oh, il semblerait qu'on ait déclenché l'alarme. Il vaut mieux filer d'ici. Oh, ça vous rappelle rien? On dirait le bruit qu'on entend au cours de mode du professeur Plunkett. Oui, ça ressemble au bruit d'une machine à coudre. Attention! Oh là là, on doit être vigilante pour pas se faire épingler. Si on veut pas ressembler à des hérissons, on a intérêt à fuir le plus vite possible. On a d'autres ressources. Je vais lui donner une bonne leçon à cette machine puisqu'elle veut en découdre avec nous. Bravo! Au tapis, bien joué, Sam. J'espère que t'es aussi forte au lasso face à une centrale vapeur en colère. C'est dingue, un endroit pareil. Tout ici est programmé pour attaquer. Mais ça va pas? C'est quoi ça? L'attaquant trop qui nous pousse vers la sortie. Suivez-moi. Complètement caractériel ce matériel. Oui, mais il aura été utile ce jet de vapeur. Maintenant, il n'y a plus l'ombre d'un pli sur ma combi. Alors, les Spice, comment se passe cette mission? Ça commence plutôt mal. On vient de se faire attaquer par une machine à coudre très méchante. Mince alors. Mais on a du nouveau. On pense connaître la prochaine cible de l'agresseur et ce n'est rien d'autre que le palais royal d'Angleterre. Oh, misère. Le grand mariage princier doit avoir lieu demain. Vous devez infiltrer discrètement cette cérémonie de haut rang. Oui! Jerry, vous êtes génial. C'est l'occasion rêvée pour rencontrer un prince charmant. Et bien sûr de démasquer un saboteur de mariage, n'est-ce pas? Parfait donc. J'ajouterai vos noms à la liste des invités. Soyez vigilantes, mesdemoiselles. La Grande-Bretagne est infiniment chère à mon cœur. Bon voyage! On part en Angleterre. Et on sera sur la liste des invités. Peut-être que là-bas, on trouvera un cadeau pour mes parents. Réunion au sommet. Il faut qu'on se trouve des tenues royales pour ce mariage. En nous voyant, il faut que tout ce beau monde soit sous le choc. Faites-moi confiance, je vous prépare une cérémonie choc. C'est la même famille. C'est extraordinaire d'être là. Non mais regardez tous ces beaux garçons. Je me demande lesquels sont des princes. Ils sont pas supposés porter une couronne pour qu'on les distingue? Avec un peu de chance, les mariés me donneront un de leurs cadeaux. S'ils en ont en double, les gens offrent souvent la même chose. Je sais pas trop, Sam. Pour l'instant, il faut essayer de repérer notre malfaiteur. En se séparant, on augmentera nos chances. Bonne idée. Moi, je vais par là. On se parle par les boucles d'oreilles microcom. Bonjour, jeune fille. Vous êtes du côté de la mariée ou du marié? Les deux. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Oh. Ce gâteau est trop tentant, j'en meurs d'envie. Oh, mais personne ne le saura si j'en goûte juste une lichette. Trop bon. Oh, c'est un serveur, bon? Eh ben, qu'il m'apporte le prince charmant sur un plateau d'argent, alors.
Je vois rien de spécial. Et vous, c'est comment de votre côté? Pareil. Moi non plus, rien à signaler. Marié, donc le prince ne devrait pas tarder à arriver lui aussi. Regardez, c'est la robe truquée qu'on a vue dans l'atelier de couture clandestin à Paris. Oui, Clover a raison. Je vais la scanner avec les lentilles de contact à rayon X infrarouge. Ne bouge pas, on arrive. Oh, qu'est-ce que je ferais pas pour le Whoop? Oh là là! Des armes? Cette robe a été clairement fabriquée pour faire de terribles dégâts. Hé! Qui est-ce qui m'agrippe comme ça? Attention, ma robe! Vous, j'ignore ce que vous manigancez toutes les trois, mais la porte, c'est au bout de l'allée. Je suis sur la liste des invités et je n'aurai plus jamais l'occasion d'assister à un mariage princier. Je peux pas rater ça! Faites-vous une raison, parce que c'est ce qui va se passer. Pour vous... La fête est finie, mesdemoiselles. Écoutez-nous, c'est important. Il se peut que la mariée soit en grand danger. Laissez-nous sortir tout de suite de cette fourgonnette. J'espère que c'est du synthétique et pas du poil d'ours, votre chapeau. Non, sans blague, j'y crois pas. De quoi tu veux parler, Clover? Oh, faut être plus attentif pendant les cours de stylisme, Sam. C'est Vera Van, la plus célébrissime créatrice de robes de mariée. Excuse me, Miss Vera, pourquoi vous êtes habillée en garde royale? C'est parce que le style militaire revient à la mode, c'est ça? Non, la raison est tout autre. Mais disons que je suis là pour semer le chaos et assister au spectacle. Une petite seconde, j'ai une question. C'est vous qui avez fait transformer ces robes de mariée en arsenal d'attaque? Vous avez deviné. Mais pourquoi faire quelque chose d'aussi méchant? Parce que je ne supporte plus qu'on n'apprécie pas mon travail à sa juste valeur. Passé le jour du mariage, ces dames jettent mes créations au fond d'un placard et ne daignent plus les porter. J'ai donc fait en sorte que mes robes monopolisent leur attention, de façon à ce qu'elles ne puissent jamais les oublier. D'accord, j'ai compris que vous étiez vexée, amère, agressive et malveillante, tout ça. Mais pourquoi faire des robes à cerceau? C'est démodé, la jupe gonflante. Parfois, un peu de sobriété ne fait pas de mal, vous savez. C'est pas facile de préserver l'esthétique d'une robe en y cachant de l'artillerie high-tech. C'est du grand art. Ne vous obstinez pas, Vera. Il est encore temps d'empêcher cette folie. Bon, libérez-nous maintenant. Non, et dites-vous que ça ne fait que commencer, jeune fille. Il va falloir que je vous laisse. J'ai un mariage à saboter de toute urgence. Il faut vite qu'on retourne au mariage. Mes très chers amis, nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour... expérimenter la performance de ma dernière création. J'avais demandé à ce que ma robe de mariée soit particulière, mais à ce point... Soyez sans crainte, c'est seulement un léger incident technique passager, tout va très bien. Vous entendez
attendez, Vera a visiblement ouvert les hostilités. Oui, ce mariage royal est en train de tourner au désastre intégral. Charlie, aidez-moi. Oui, ma chère, je vais immédiatement chercher du secours. Quel poule mouillé, celui-là. Je raye définitivement les princes de ma liste de petits copains idéal. Alors comme ça, ces petites pestes ont trouvé le moyen de se libérer. En tout cas, elles n'échapperont pas à ma robe destructrice. Ça, c'est mon sabotage de mariage le plus réussi et de loin. Attention, robe de mariage folle de rage droit devant. Oh, t'inquiète, le problème va être réglé grâce à la machine à bulles Esquive Express. Oh, vous êtes d'humeur joueuse, jeune fille. Moi aussi, mais mon jeu préféré reste le football. Allons-y. Oh là là, m'en parle pas. Ça m'a beaucoup plus retourné l'estomac que le Whoop à 3. Mais dépêchez-vous, il n'y a plus une seconde à perdre si on veut sauver la mariée. Je pense que pour mettre cette robe hors service, le gâteau pourrait nous aider. Mariage est ruiné, j'exige qu'on me rembourse cette robe. Oui. On a réussi. Voilà comment on se débarrasse d'une robe de mauvais goût. La partie n'est pas terminée. Désolée, mesdemoiselles, mais personne ne sabote mon sabotage de mariage. Vous croyez pouvoir rivaliser avec moi et mes créations d'avant-garde? Changer de tactique parce qu'aucun accessoire n'a jamais pris le dessus sur moi. Et aucun méchant n'a pu prendre le dessus sur moi non plus. Ouais, moi c'est pareil qu'elle. Les choses évoluent, il faudra bien vous y résigner. Non mais dis donc, vous vous croyez où? Que cette comédie a assez duré. On synchronise nos actions et on la neutralise, Alex. Avec plaisir. Attention, prête. Ah, un caillou. Oh non. C'est gagné. Je crois que j'ai perdu 2 cm de taille grâce à ce lasso. Excellent travail, les Spice. Mes agents vont prendre le relais désormais. Ils vont emmener Ferravan au pénitencier du Whoop, car c'est là qu'est sa place. Merci, Jerry. J'aimerais discuter davantage avec vous du succès que vous venez de remporter. Mais étant invité à la réception donnée pour le mariage, je dois y être avant la fin. Vous comprenez? L'Angleterre compte sur moi. Je m'en voudrais de lui faire faux bond. Quelle vision! C'est pas tous les jours qu'on voit Jerry comme ça. Oui, et tant mieux d'ailleurs. Parce que le chapeau haute forme, c'est pas exactement ce qu'il met en valeur. J'ai trouvé! Vite, il me faut un emballage pour que ce cadeau puisse parvenir à mes parents le jour de leur 20e anniversaire de mariage. Oh, c'était aujourd'hui et là c'est déjà presque demain. Il n'y a plus aucune chance qu'il l'ait dans les délais. Comment le temps est-il passé si vite sans que je m'en aperçois? C'est parce que comme d'habitude, on était occupés à sauter d'un continent à l'autre pour traquer les méchants et sauver le monde. Ce cadeau était trop moche de toute façon. Quand je pense que je voulais leur offrir quelque chose d'unique. Allô? Sam! Je ne te réveille pas au moins, c'est nous ma chérie. Tiens maman, tiens papa. Bon anniversaire. Oh écoutez, je suis vraiment désolée. Nous tenons absolument à te remercier pour ce merveilleux cadeau d'anniversaire. Oh, c'était vraiment fabuleux ton idée. Tu nous offres une chose unique. Avec cette visite de Londres sur un vélo amphibie. Attends, tu as dit une visite de Londres à vélo? Quelle attention touchante, tu es adorable avec nous. Bon, eh ben, je vais devoir raccrocher hein, maintenant. Merci encore et à très bientôt. Bisous, bisous. Oh, ça c'est incroyable. Je me demande qui a pu leur offrir ça.
Considérez, Sam, que c'est à titre de remerciement pour cette mission réussie, signée Jerry. Ah, trop gentil, on dirait que Jerry t'a sauvé la mise cette fois. Oui, j'apprécie, mais il est hors de question que je stresse autant l'an prochain. Alors je commence dès maintenant à chercher une bonne idée pour leur 21e anniversaire. Je prends les devants. Oui, prends-les.